Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous allons parler de budget, mais également politique. Pour nous faire travailler ça, on a recevoir Pierre-Raymond Dumas, un habitué de l'émission ça. Et M. Somoun qui est très penché sur l'affaire économie, malgré n'est pas dans le domaine, mais c'est une peut-être historienne qui a considéré monsieur qui écrit déjà sous Frédéric Pastelin, sous Edmond Paul, aspect économique et politique. PRD, merci pour répondre à l'invitation. Merci. Alors, et nous dit pas dans le domaine, ça dépend de qui ça dans le domaine. Moi rappelez-moi que il y a quelqu'un qui te dit que économie c'est il y a un siècle, c'est économie politique. Donc son discipline dans sciences sociales et qui évolue, que quelqu'un qui vient découper les compartimentés, mais en fait économie son bagage soit fait vraiment faut gagner une idée de géographie, de politique, de sociologie, de démographie, de religion, de philosophie. Donc une vision globale ça, si me conseille lui-même qui manque économiste haïtien, s'il y en a beaucoup et me pense que remarque ça d'importance qui fait que on est quitté surtout en ce qui me concerne. La littérature qui est l'agricole dans l'économie, c'est parce que justement, moi en pile littérature dans l'économie, moi en pile les arts dans l'économie, moi en pile bah, qui a rapport à la politique dans l'économie. Donc, qui fait que je pense que, et dans ce qui me concerne, et c'est peut-être une manière qui fait venir l'agricole dans l'économie. Et même tellement oxydé, passionné par l'économie hein, et de manière globale en rapport avec Haïti, que je ne suis pas même vraiment intéressé à faire des publications qui n'ont pas de rapport avec l'économie. Alors, mon dernier document fait que sorti là, c'est le budget 2013-2014, un budget de combat. Nous allons l'analyser plus en détail, mais c'est pas, ça ne date pas d'hier, puisqu'on écrit déjà en l'année 2000, Frédéric Pastelin, économiste ou les riches dépouillent le ministre des Finances. Et vous même l'épuisez, ouais, ça, d'après ça, on dit. Ou écrit également Edmond Paul, qui était rien, depuis qu'il a que ça a attiré l'attention, on dit, ah, science ça faut me garder beaucoup plus proche parce que mon grand peur lui on dit ah bah ça est trop bah, abstrait là-dedans si vous pas vraiment étudier ou pas intéressé là-dedans et puis qui l'intéresse à venir même moi je suis drôle son pays qui a progressé là prend tout 19e siècle justement c'est parce que les maps j'étais fait une recherche sur les nouvelles haïtiennes comme de nouvelles littérature haïtienne là son littérature qui est trop isolée qui est trop limitée que il a parlé de poésie il a parlé de romans. Il n'y a pas de théâtre, alors qu'il n'y a pas parlé de nouvelles. Donc, c'est les maps fait recherche, ça date des années 80 et jusqu'à 90, sur les nouvelles haïtiennes. Alors, son récit court, pour le monde qui par contre, ça m'a dit là. C'est pas un short story, non, jamais, qui dit là. C'est pas ça. Là. C'est un récit. Et dans le cas de ça, je viens de tomber sur Sam Darelli et des documents, des livres qui ont rapport à l'économie haïtienne. Là. Je me dis, comment, maman, bah, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui t'a entraîné vers une curiosité, vers une sorte de séduction. Que économie, hein, tout problème économique que monsieur haïtien dit vient c'est que tu as brassé que contrairement à haïtien qu'on y a là que moi je pensais que il ferait preuve de beaucoup de médiocrité, beaucoup d'indifférence. Alors là vous comprendre que et vraiment et à la base de régression de ce peuple haïtien son méconnaissance du fait économique qui en fait à la base et tout récemment. Et dans plusieurs discussions que je fais avec plusieurs monde, nous avons dit qu'il faut pour que l'économie vienne, et s'il pas primé, s'il pas dominé, s'il pas mettre en arrière pour les économiques, pour les politiques, au moins il faut le venir au même niveau avec les problèmes politiques. Ce qui fait que je pense que c'est ça qui motif principal qui fait que je viens là qui comme. Et puis ensuite, je viens voir une sorte de petit route étroite, un petit filon. Une petite filière qui négligeait, et certainement, mais m'a exploité avec capacité, m'a pas exploité avec feeling, m'a exploité avec ça, m'a et aptitude. Donc, on fait une sorte de biais, l'histoire économique, c'est peut-être ça par exemple, ma bon scoop. M'a travaillé actuellement sur ça, m'a une introduction à l'histoire économique d'Haïti. Donc, avec tout ça, le comme. Effort épistémologique, alors on prend une grosse expression, tout ça vient comme effort bibliographique, bah, font un gros regroupement, un gros travail de recension, de compilation. Les livres là, prenez-moi pas la voilà là, moi j'ai fait acheter sur Amazon, et grâce à un coup de main Jean-Marc Chauvette, parce que j'ai eu les souvenirs de Guy-Joseph Bonnet. C'est l'ouvrage
par excellence, qui permettent d'introduire dans l'économie haïtienne. Guy Joseph Bonnet est une sorte de percepteur des finances de Pétion, de Boyer. Alors à l'époque, pour le monde qui par contre ça m'a dit là, c'est de province en province, de région en région. Tout au moins, toute région qui dépend de Pétion. On ne peut pas oublier que n'a pas les nos périodes côté pays a été divisé en trois parties. Pour le monde qui par contre ça. D'un côté, dans le sud là, il y a Rigaud, dans l'ouest là, il y a Pétion, et dans le nord là, il y a tout et Christophe. Eh bien, monsieur ça, Guy Joseph Bonnet, les souvenirs historiques de Guy Joseph Bonnet, je vous explique tout problème au État qui fait pour l'indépendance à confronter en matière de fiscalité, en matière de perception taxe. De l'outil. Monsieur le ministre des Finances, vous avez l'émission perception de taxe, un percepteur de taxe. Donc, je suis marché dans le sud là, mon important prince là, la caille, ils sont mon aigle au gagne, monsieur. Et puis, je suis cherché, j'ai une petite taxe. J'ai un petit l'argent pour faire l'État et l'État fonctionner à l'époque. Mais où il y a des réflexions que ça a fait, mais c'est quelque part, rien n'a pas vraiment bougé, rien n'a pas vraiment changé. Problème de corruption, par exemple. Donc, ou pas attitude d'Alexandre Pétion. Mais qui différence que le joué dans trois États, ça non, non, c'est moi, monsieur, pas dans le Nord. Et puis, les pays, les peuples, pas bien que monsieur, pas si sous-boyé, les pays venir et unifié, on nous prend ça. Pays à unifier, donc là, monsieur gagne la haute, mais sur toute République, sur toute, y compris République Dominicaine. Après, comme ça, il s'en laisse là, pas si laisse là. Donc, non, son personnage extraordinaire, le mot n'est pas trop fort, emblématique, moi, c'est le premier big boss, le premier grand chantier d'Haïti, Guy Joseph Bonnet. Et bien, j'ai fait des réflexions, monsieur, on a quitté une sorte de une attitude déjà, et une attitude en matière. De gestion des finances publiques, on sort de un personnage modéré qui croit que des pensions faut faire au fur et à mesure où on rentre, qui pensait que faut gommer contre la corruption et pour regarder l'attitude Pétion, Boyer, des attitudes laxistes par rapport à la corruption. Boyer même nommé au monde et puis ils font discours, dit mon cher, mon côté mettre là, ça permet de refaire vivre. Quand Alexandre Pétion, tout le monde sait que Pétion même te ferme les yeux li, sur sa tagline à corruption. Donc toute sédimentation, toute base république que nous gagnons là, tout ça nous a affronté comme problème en matière de transparence, en matière de respect des deniers publics, en matière de redistribution des entrées, des taxes. Donc tout déjà, originellement, nous confrontons dans l'État. Écoutez, nous-mêmes sortis dans l'esclavage, Haïtien pas fait travail. Haïtien, on est tout effacé parce que, après tant d'années d'esclavage, nous pensons que le travail représentait, et Guy Joseph Bonnet dit ça, hein, le travail représentait pour l'Haïtien un fardeau, une punition. Et Pétion lui-même, c'est peut-être ça, c'est ça. Ouais, déjà là, non politique tout, non politique, politique économique, économique politique. Et puis Pétion lui-même, tu comprends ça comme quoi, mesdames, c'est comme que, et grande majorité haïtien qui sont c'est des noirs, eh bien, ah, sous, on peut l'appliquer. Ou discipline financière, stick, ah, il a pris l'embri. Mm-hmm. C'était d'où le fameux laisser grainer de Alexandre Pétion. Il était une attitude molle, laxisme, on va dire un thème beaucoup plus compliqué. Une sorte de décadence, Alexandre Pétion. Et mais il était laissé haïtien, oui, peut-être ça que il était Pétion, papa banqueur. Donc il avait compris déjà. C'est peut-être ça, des années plus tard, on pourrait devenir des chefs d'État haïtiens qui peuvent répéter politique. Laissez gagner Alexandre Pétion en matière d'économie. Est-ce qu'il y a eu deux grands courants, le courant Pétion sur le plan fiscal, et qui liait parfois corruption là-dedans, et le courant Christophe, est-ce que Christophe lui-même était imposé, des taxes? Qui je venais dire ça? Il parlait de l'extrême faiblesse, pour parler de Alexandre Pétion, et de la violence, de la force brutale de Henri Christophe. Christophe c'est... plus taxes là, non? Ah oui, oh non, Christophe, c'était le Nord était prospère. Non seulement la discipline du travail, mais également payer les impôts. Ah oui, le Nord était prospère. Les terres, par exemple, que Henri Christophe redistribue aux grands propriétaires, aux chefs militaires noirs, et Patassi Guéné Mulato. Mais non seulement les subir, mais il décompte des taxes pour la main, l'exiger, et le résultat. Donc, puisque vous rentrez que l'État prend la main, nous prenons le barreau terre. Donc, vous êtes obligé, vous avez une obligation de résultat. Ce n'est pas le cas de l'Alexandre Pétion. L'Alexandre Pétion distribue des terres à des Noirs, juste dans un cadre d'un pays démographiquement composé de Noirs, d'anciens esclaves Noirs, de nouveaux libres, que lui-même, comme représentant d'anciens Libyens, comme Mulat, monsieur, quoi que faut le gérer, à être une sorte de complaisance, d'indulgence.
C'est peut-être ça qu'on parlait de. On a toujours fait mention du pétionnisme comme un régime qui marquait par une extrême faiblesse. Donc, une tolérance. Donc, c'est ça. Les deux, déjà, pays a fait choix. Donc, je n'ai même pas parlé de visiter, de revisiter, je n'ai pas parlé de visiter cet obscur fiscaliste Guy Joseph Bonnet, que peut-être dans l'histoire, nous ne attendons pas le trop, nous attendons plus à l'intérieur du monde. Pour nous regarder, monsieur, pour nous comprendre ce qui a passé aujourd'hui, la fiscalité dans le pays d'Haïti. Oui, je pense que c'est ça. Le vous pensez que m'envie de manière, et m'a dit ça, et abusive, hein? J'emploie le mot abusive, tu as réédité livre ça pour faire Haïtien jeune livre ça et puis font belle introduction. Et parce que le personnage est fascinant, il a beau des anecdotes d'Alexandre Pétion, il a raconté des histoires de Christophe, il a parlé de l'a décrit et Rigaud, et il a parlé autour de Boyer. Ce sont extraordinaires. C'est un témoin de l'époque. C'est ça, il est un praticien de l'économie. Et qui, au niveau de réflexion, côté monsieur, a théorisé la règle. Monsieur fait des portraits de l'Alexandre Pétion, il fait portrait Christophe, il fait portrait Rigaud, il fait portrait Boyer, et il connaît eux. C'est bah extraordinaire, c'est dans la même temps, c'est même genre, je pense que pour me faire un raccourci, c'est même bah là, le fait que moi, bah, je connais René Préval, je connais Michel Matéli, je connais le président Aristide, je pense que c'est de mon devoir de faire des notations, d'écrire des livres, côté m'a parlé, m'a décrit personnage à eux, non, ça a rien comme bon et ça a rien comme. Si nous regardons dans l'histoire d'Haïti, 19e siècle, là, sous thème récit économique, sous thème de parfois des non-économistes qui ont fait de grands discours économie politique, là, est-ce que c'est la période d'or de l'histoire économique haïtienne? Ah, évidemment, évidemment. Et que les gens écrivaient beaucoup, tous les problèmes leur intéressaient. Par exemple, le problème du papier de monnaie, c'est le thème employé à l'époque. Ça a eu le taux de change. C'est un problème technique, très technique. Et ça a eu Et qui gagne entre goudes et dollars, ou bien acheter dollars, il faut gagner tant goudes qu'on y a là. Et bien, déjà, au 19e siècle, c'était le problème. C'est le problème fondamental du 19e siècle en matière d'économie haïtienne, en matière d'économie publique, c'est le taux de change. Et avec une sorte de luminosité, une rigueur intellectuelle, une technicité, on regarde la plupart des auteurs économiques haïtiens, à pas pour des problèmes là. Ce n'est pas le cas présentement. Mais ça qui explique les intérêts, ça. À partir de quel moment on a cassé la fête, après on a des intérêts pour la littérature économique. Non, parallèlement à problème de changement, problème de papier monnaie, eh bien, il a gagné, ça me donne l'indemnité. Haïti, les points de Manassi, tout de suite après, les boyers viennent faire ça, qu'on les boyers faire. Même dans le livre de Guy Joseph Bonnet, il parle de l'attitude de Jean-Pierre Boyer par rapport à la fameuse indemnité française, justement. François Hollande a montré là, et c'est pareil, ça, le président Richie t'a pas emmerdé français, il disait au frère, au bail, réparation. Eh bien, on pourrait, avec une sorte de légèreté, côté leur arrivée à 150 millions de francs, hein, et puis Boyer a dit, ah, tout peu, le président Boyer. Et puis, pareil, ça, pendant plus de quart de siècle, pareil, ça parle coquin de gauche, non? Nous prenons le travail. Nous pouvons le taxer café, nous pouvons le taxer cacao, nous pouvons le couper pied bois pour nous payer blanc français. Hein? Alors que nous faisons les balances. Ah, c'est ça la réalité haïtienne. Donc, Jean-Bertrand Aristide n'est pas totalement gay, tout le monde. Le président Badel n'est pas capable de problèmes avec François Hollande. Mais c'est ça. Donc, il fait que le président Boyer, dans un élan de légèreté extrême, l'accepter les conditions que nous avons. Donc, ça n'a pas le gain, ça n'a rien. Tout au long du 2e siècle, malgré ça, il y a les mouvements de damnité, où il y a des étrangers qui établissent n'importe quoi instant, qui s'agissent des commerçants, qui ont commandé chaque fois qu'il y a un problème, la guerre du fait, qui voulait puis paraître avec nationalité étrangère, et puis il y a fait réclamation, les fameuses réclamations, indemnité. Et là, ce n'est pas un goût de boulot, il y a une pièce. C'est avec l'argent qui est à la mode, l'argent qui domine l'argent. Donc, que ce soit l'anglais, que ce soit l'américain. Donc, c'est ça. Donc, ce pays a été pétrifié par un mouvement de balançoire qui allait de Sam Daryle, taux de change, indemnité, réclamation des étrangers, à chaque fois qu'il y a un pays, à chaque fois qu'il y a une stabilité, à chaque fois qu'il y a une évolution. Voilà, nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, sur le rendez-vous économique, nous avons l'histoire économique pays, avec un journaliste qui est très intéressé à ce sujet, bien que nous allons parler de budget 2013-2014, mais nous avons besoin de garder l'histoire, ça, les fiscalités et l'histoire politique pays d'Haïti. Nous proposons de tourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour.
ta reme changer l'argent sa yo, en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas gen monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque sa utile même? Li pas jam gen monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, surette pas l'argent, mais monnaie en pièce c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'pral compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non, moi t'es passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièce ou besoin? Mes banques qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Aïkito belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou ap toujours payer ça ou gen pour payer à sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mane bank pou la ba ou monnaie. Se dwa ou et se devoil pou le servi ou. Pap kan pri ya nan men aucun bank. Parce que banque centrale bay tout bank monnaie. La douane voye fè tout moun konnè ke se nan biwo douane ke moun ak marchandise gen dwa pase ni sou frontyè ni lòt kote. Kote sa yo byen identifiye. Genyen douanye ak ajan sekirite la douane ki la pou bay servis. Tout moun kap eseye pase marchandise an bachal nan lòt kote sou frontyè a, se kontre ban yap fè. La douane vle di tout moun lap sezi marchandise ak tout kamyon kap pase sou kote. E moun ki konsene yo, lap fè arete yo pou yale devan jij ki la pou sa. La douane ap profite rapple tout moun. Bon dro la douane, se nan bank pou yal paye sa. Ou bien, nan espace la douane mette spécialement pou sa. Et la ou fin paye bon dro, exige resi ki di ou paye. Paske ane sa, tout pouvoi l'état yo ap continue kore la douane pou fè koukou rouge derrière kontre ban ak korripsyon. Pi kouma on zanana kou pengwe veye zonou. La douane ap aplike la loi kont tout moun. Li kampe ba kotel, la defane terem, la fez a fe ou mache, toujou jan ou table, ou toujou fel konfians, pase l ba ou performans, wap satisfe sanman, la se kliyan soje bak, soje bak, toujou ba kote mes ami, soje bak, toujou ba kote, kote, soje bak, toujou ba kote. Nous sommes magazine économique sur Radio Métropole chaque 3 heures le dimanche et magazine économique l'a fait sous forme rendez-vous économique le soir en télévision et on a parlé de l'histoire économique d'Haïti, fiscalité qui est extrêmement important et monsieur Gampil mon cap découvrir Guy Joseph Bonnet, c'est bien ça? C'est ça. Alors, monsieur parler fiscaliste qui pas content, me dit obscur fiscaliste. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est quand le, même c'est le père de la fiscalité haïtienne. Ah, c'est le père de la fiscalité haïtienne. Maintenant fiscalité a lié à démocratie. À l'époque, pas gagné démocratie dans le pays. Aujourd'hui, on n'est pas capable de battre une démocratie sans la fiscalité. Nous faisons un sommet sur la finance là, nous découvrons des chiffres qui montrent que nous-mêmes haïtiens, la pression fiscale est tellement faible, nous avons gardé l'impôt locatif. Pas gagné 20 000 cas dans le pays à payer l'impôt ça. Donc, comment nous sommes capables de faire démocratie? Est-ce que fiscalité a qui parfois du pour tout le monde, on paye au monde, mais payer taxes, mais ou même qui sont où ça, aujourd'hui, puisque c'est un document extrêmement important, dans l'entrée sur le livre, mais la fiscalité et la démocratie. Monsieur, Allemand, au moins, en pile, philosophe allemand, et parallèlement à toutes les recherches que je fais pendant plus de 20 ans sur l'économie haïtienne, sur l'histoire de l'économie haïtienne, monsieur, je disais que les Allemands, les auteurs allemands, les philosophes allemands. Alors, grande définition, pour m'aller vite et pour me renforcer sur le dire, de la démocratie, de l'État moderne, c'est l'État fiscal, par excellence. Ah ouais. Allez, ça, c'est la philosophie allemande. Alors, c'est l'état fiscal. C'est dans ce sens-là que l'organe des citoyens
toute la journée. Parce que il y a plus de monde qui prend des courants. Il y a des courants, mais on va garder monde, on va prendre des monde à qui ça va le courant. C'est-à-dire que au grand sorte de populisme, de misérabilisme dans le pays ça, que monde a fait des revendications, a fait des décisions, mais monde pas payer taxes. Ça c'est problème. Donc l'état moderne c'est l'état fiscal. Alors grosso modo pour commencer le bail ça, c'est aussi où l'état côté et autorité a hein, maîtriser et le monopole, ça me donne les problèmes de sécurité, problème de justice. Donc voilà, en gros, ça relie l'état démocratique moderne. Donc c'est là fin appliqué qui était ça en relation avec Haïti après pays ça pas capable son hein. Ça me là chanté a dit son démocratie pépé au gain. Alors pour dire tout et pour être vrai, dans le cas panon, il y a beaucoup et dans le problème qu'il y a fiscalité hein, qui a un rapport avec un état failli et même individu il pas vertueux, alors on a notre expression, mais les mêmes sont bien loin, ils sont depuis l'Antiquité, hein, l'homme vertueux et le juste. Il dit que ou dirigeant ou soucié du bien commun, mais pour soucier du bien commun, il y a une sorte de rectitude qui est certainement morale, mais dans le comportement de tout, il y a un fait. C'est dans ce sens-là, m'admirer, m'apprécier, me recommander tout le monde à lire le livre et mettre Henri Dolley en fait écrit là, lire « Change-toi toi-même et tu changeras le Haïti. Change-toi toi-même et change ton pays. » Comme ça, l'idée. C'est un livre remarquable. Côté, mettre Henri Dolley, justement, d'un point de vue, je n'ai pas d'économie, hein, anthologique, côté nous-mêmes comme individus, comme êtres, nous-mêmes comme on qui sont produits d'une histoire, qui reflète une culture, avec toute sale qui n'est pas bon. Et très peu bagarre qui est bon. On ne parle pas de culture en termes de culture. On ne parle pas de culture là, dans relation avec l'agent, relation avec l'administration, relation avec l'autorité, relation avec le bien commun. Donc cet individualisme qui caractérise l'haïtien, nous n'avons aucun, on vit là. Donc son petit saut chez soi. Et puis, pas une route pour entrer dans la carrière. Ça, c'est Haïti, ça, c'est haïtien. Donc ils sont sorte de tas. On t'a de merde qui expliquait la situation. Alors, pour ça, hein, effectivement, il faudrait peut-être au départ que nous avons l'État. Côté, nous ne fait pour payer et taxes. Côté, douane n'est pas capable d'accaparer par un petit groupe, un groupe qui proche pouvoir, qui proche président. Comme Frédéric Massin t'a expliqué, dans nos douanes, on livre qui est. Comment ça arrive? Nos douanes, Frédéric Massin expliquait. Côté, il a expliqué déjà à l'époque comment un pile monde dans la politique, un pile monde. Poche pouvoir, on peut mon poche président chercher à accaparer de douane pour voler l'argent de douane. Donc dans l'histoire du pays, déjà, oui, les douanes et oui, oui, ce sont des exceptions, ce sont des calamités, des fatalités. Proprement haïtien. Donc il y a que, effectivement, même tout gilet, même pas quoi, c'est assiette fiscale là-bas pour agrandir le gouvernement, c'est appliquer pour appliquer loi fiscale. Donc il y a que faire mon pays taxe. Donc, là, on commence à pile l'argent, tu ne peux pas imaginer. C'est dans un second temps, l'effectivement, le travail de mise à niveau qui fait. On travaille, qui exige, et évidemment, on travaille interactif, taxe, pression fiscale. Mais, fiscalité, rentre, il fait travail pour faire tout. Donc, c'est-à-dire que ce doux mouvement. Mm-hmm. Parce que mon y a plein, pile. Ah ouais. Ou dit, m'paye taxe, mais qui performance, qui s'affecte avec. Il faut faire des bagages avec. Donc, moi, c'est que moi-même, je ne suis pas partisan, dans un moment temps, que généraliser, élargir à cette fiscale-là. Moi-même, partisan d'abord, que taxe qu'il a eu, effectivement, faire citoyen, respecter eux, ça me donne répondre à ça me donne à obligation, à exigence fiscale. Oui, mais là, est-ce que pas gagner on sorte de. Du côté des politiciens, côté que faire confiance, pas gagner un rapport pour m'baou. Haïtien, je me répète, je me acheter un bail, je me le reçu, ou fâché comme si je ne fais pas confiance. Est-ce que dans le cadre où tu parles de l'État moderne, oui, c'est payer les impôts pour capable de service là, mais il faut que les gens qui va diriger là tout connaît que ils ont obligation pour le remettre information pour dire mais ça le fait l'argent. Pour qui ça est sensible à ça comme ça. Ah, dit que non, là tu pas nous-mêmes. Nous avons une décadence, nous sommes état décadentiel, on est en faillite. Nous avons même gens pour l'élection là, on a une équipe de monde qui candidat à droite à gauche, on a aussi des délinquants fiscaux d'abord. Donc la plupart non, il est obligé d'appliquer la loi, il est obligé de payer au moins 5 années consécutives. Quand il a donné la crédit à l'habitation au Sénat, quand il a donné la magistrat à la présidente, il n'y a pas un pays taxe. C'est ce deux jets, deux blocs qui vont payer 5 années taxes. So, ça, quel pourcentage de candidats qui ont là, je vous dis, là, qui t'a vraiment respecté les normes? Là, ça ne m'a pas appliqué la loi, tout t'as précadé.
Même pas si c'est une surprise. Vous pensez pas l'élection? Oui, non, pas l'élection. Ah non, attention, il ne faut pas généraliser. Vous avez exagéré. Vous d'accord avec ça? Il a une minorité d'Haïtiens vertueux. Mais il a une grande majorité. Et il s'appuie sur la radio. Aïe, aïe, aïe. Il y a une radio. C'est des délinquants fiscaux, des délinquants tout court, des trafiquants de drogue, des corrompus, d'anciens corrompus. Parce qu'il y a un mouvement qui. Ah, je m'en fais, c'est un mouvement nauséabond, détestable, répugnant, qui fait que. Je dis, monsieur sous pouvoir, les cacas sont jusqu'à ce que je ne sais pas. Donc, il passe sous pouvoir encore. Qu'on a le tourné, on s'en disant, ils font son victime. L'autre semaine, là, enfin, j'exagère, après 4 ans, 3 ans, 5 ans, il vient bourreau. Donc, bon mouvement de balance, on peut employer l'expression Russie, on est en pile. Enfin, tout le monde, Russie. La roulette russe. Marxiste, l'initio. Tout le monde, les lénistes, le mouvement de balançoire. C'est le fameux mouvement de l'histoire. Que nous remettons avec une image extraordinaire, nous relions, on joue pour gibier, on joue pour chasseur. Je dis à monsieur sous pouvoir, avec tout ça, le relier, la persécuté le monde. Demain, il n'y a pas sous pouvoir, il a persécuté. Donc, un mouvement de bourreau et victime. De qui fait que tu as un tas de gens qui de grands prévaricateurs, le sous pouvoir, puis l'autre semaine, on entend des sénateurs, et aux députés, et puis c'est au même cas du bigabé, mon décharge. Et bien, c'est-à-dire que comment voulez-vous. Est-ce qu'on pourrait être dire que. On est propre dans l'opposition et ça le pouvoir. Comment voulez-vous que dans un pays pareil, vous avez une démocratie dans le sens large du terme? Comment dans un pays pareil, vous avez une croissance économique? Comment dans un pays pareil, vous capable vraiment appliquer des politiques publiques qui permettent de réduire la pauvreté? Comment dans un pays pareil, lorsque tu as des dirigeants qui eux-mêmes n'ont pas qualifié? Alors, une grosse question calmement qui était employée, qui enseignera les enseignants? Qui formera les formateurs? Eh bien, c'est ça. Donc, qui est-ce qui t'a servi de coaching à des dirigeants défaillants, déficients? Et tu as l'autre moment en Europe, où tu as parlé de l'Allemagne, et fiscalité état moderne. Et tu es d'accord avec moi que berceau démocratie a sorti en Grèce. Et c'est le pays, je vous dis, qui la catastrophe au niveau fiscal. Si un pays ne paye pas les taxes, c'est la Grèce. Et d'ailleurs, qui catastrophe qui est le président de la Gounia. Comment expliquer que la Grèce a développé les valeurs démocratiques et que aussi négatif côté élite liée pas payer taxes tout, pression fiscale extrêmement faible et qui a vu le pays sur le plan du mondial? Non, l'exemple de la Grèce, c'est l'exemple de fameuses expressions que un peuple, une nation qui disparaît tout. C'est quoi? C'est tout, pendant 5 dernières années, on ne peut pas dire que le monde qui va comme ça, l'histoire de la Grèce, pendant les dernières démocraties, dernièrement, les dictatures, la Grèce, les dictatures, les dictatures. Il y a que son pays qui, je ne connais pas, par une mal gouvernance, par de mauvaise gouvernance. Parce que mauvaise gouvernance, là, qu'il n'y a pas l'empire, il n'y a pas des Haïtiens comme on sort de pays et qui bat tout le corps dans l'hémisphère et Amérique, là, à savoir que corruption, un pays insécurité, un pays incompétent, etc. Mais il y a des pays tout, au-delà de l'Amérique, nous y a là, Caraïbes là, Pacifique là, et bien il y a des pays, donc la Grèce, qui, parce que il y a une succession de dirigeants, une addition de mauvaise gouvernance qui va le salbalier. C'est-à-dire que faut ne pas croire que nous avons un monopole et record qui a un rapport à faillite, à catastrophe, à échec. En matière d'économie, en matière de gouvernance, en matière de liberté publique. Non, quand que ça, c'est même pas nous-mêmes qui avons appris Jean-Claude Duvalier. Allez, moi-même, les gens qui vivent, on dit j'écoute ça, on dit le président Duvalier ça, qu'en fait, c'est Duvalier qui est responsable de notre transition, parce que c'est Duvalier qui doit faire, ça me dit, transition qui doit auto-réformer. Donc, c'est la même chose. Donc, économie, et je pense que c'est là que nous voulons arriver. Cagrest a illustré vraiment le primat de l'économie sur tout le reste. Son pays, et c'est là et après Haïti, si nous continuons dans ce chemin-là, à Kakasono, a fait preuve de mauvaise gouvernance. Donc, j'en ai problème, nous avons un problème là, toute chance qu'on a là, problème dollar, des dollars qui sont rares, et puis, qui sont un baromètre, qui sont un indicateur éloquent en matière de faillite économique, d'embarras économique, de complications socio-économique, eh bien, nous faire élection. C'est-à-dire que si pays n'a pas de déficit budgétaire, d'appauvrissement en appauvrissement, que de flux de capitaux, donc pays n'a pas produit assez, ou sans rien, enfin sans rien, entre guillemets, élite économique là, sont une petite minorité de monde qui vont chercher manger à l'étranger. Et en plus, on a parlé de affaires et fiscalité,
et qui mélangé avec un pile contrebandier. Nos fameux importateurs, la plupart sont des contrebandiers. Évidemment, Oise a fait que, après tout le temps d'indépendance, un pays à majorité noire, plus fort, c'est des gens colorés. Donc, il y a commandé du riz, poids et l'huile à l'étranger, mais il y a un pile qui va.